Oh, j'ai envie d'essayer. Ah, ça y est, je rame. Christian, on est en plein cœur de Limoges et on peut faire de l'aviron ici? Eh oui, on peut toujours faire de l'aviron à Limoges, et ce depuis fort longtemps, puisque le club date de 1923. Il y a d'autres endroits en Limousin où on peut faire de l'aviron? Alors oui, bah oui, le Limousin c'est quand même une terre où il y a beaucoup d'eau, donc il y a plein de plans d'eau. En Corrèze d'abord sur le lac du Causse, autrement aussi sur le lac de Vassivière, c'est très agréable aussi de ramer là-bas. Et à part l'aviron, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'eau dans la région? Déjà ici, à la base nautique de la ville de Limoges, donc il y a possibilité de faire du canoë-kayak. Mais en Limousin, on peut faire de la voile, on peut faire du ski nautique, on a d'ailleurs une championne du monde. Le Limousin, il regorge bien sûr de plein de rivières où on peut pêcher à la mouche. Il n'y a pas que la Vienne. Il n'y a pas que la Vienne. Le principe même de la pêche à la mouche, c'est d'essayer d'imiter un insecte, qui soit terrestre ou aquatique, sur une zone où le poisson s'alimente. Donc on va venir ici et on repart. Ah, raté, on recommence. Très bien. C'est pas si dur. On va voir quand tu vas lâcher. Allez, à toi toute seule. Tu pousses sur ton coude. Oui, très bien. Te voilà prête pour essayer d'attraper un poisson maintenant? Ouais. Il y a vraiment plein de choses à faire sur l'eau, en Limousin, partout et en toute saison. Et ça, c'est bien.